aller, il va pas le prochain combat de la soirée est un défi chez les poids mi-moyens et vous est présenté par internationalsportswear.com. The next bout of the evening is a UCC welterweight super fight and is brought to you by internationalsportswear.com. Play hard, be recognized. Ce combat est prévu pour 3 rounds de 5 minutes. This bout is scheduled for 3 rounds of 5 minutes. Veuillez prendre note qu'aucun titre n'est en jeu dans ce combat international. This international super fight is a non-title bout. Tout d'abord dans le coin bleu, il s'agit de son premier combat au UCC. Sa fiche en combat ultime est de 7 victoires et 7 défaites. De Hesperia, Californie, mesurant 5 pieds 9, pesant 170 livres. Introducing first in the blue corner, he is making his UCC debut and has a pro mixed martial arts record of 7-7. From Hesperia, California, standing 5'9" and weighing 170 pounds, Thomas the Wild Man Denny. Son adversaire dans le coin rouge. Il participe ce soir à son 4e combat dans le ring du UCC. Sa fiche en combat ultime est de 3 victoires et aucune défaite. De Saint-Isidore, Québec, mesurant 5 pieds 10, pesant 169 livres. His opponent in the red corner. He is a 3-time UCC veteran with an undefeated pro martial art record of 3-0 from Saint-Isidore, Quebec, standing 5'10" and weighing 169 pounds. Il est le champion canadien des poids mi-moyens. He is the UCC Canadian welterweight champion. Ladies and gentlemen, Rush George Saint-Pierre. Ben, je pense qu'on sait de quel côté la foule va pencher. Georges Saint-Pierre, avec son maillot court, rouge et blanc. Très souriant, M. Thomas Denny. Surtout avec ce que Thomas Denny a dit à l'écran. I'm here to kick some Canadian ass. Canadian ass. Eh bien, oui. Allons-y, messieurs. C'est parti. Saint-Pierre, qui... Il est doté d'une force physique incroyable. Et l'un des meilleurs lutteurs en combat ultime que j'ai eu l'occasion de voir au Canada. Imaginez, avec seulement là, 3, c'est son 4e combat au niveau professionnel avec l'UCC. Là. Et vous regardez de l'autre côté, il en a combien? Il en a au moins 14. Et ça, c'est seulement là, un peu partout, là, dans le cas de Denny. C'est un athlète incroyable, Georges Saint-Pierre. Lorsqu'il vous met la main dessus, là, vous vous en allez au sol, c'est pas long. Et là, c'est... je suis surpris que Thomas Denny a résisté aussi longtemps debout. Coup d'avant-bras, lancé avec la droite de Saint-Pierre. Coup de genou tenté par Denny. Denny qui reste debout plus longtemps que la majorité des adversaires de Georges Saint-Pierre, c'est surprenant. Ouais. Là. Ça, c'est l'expérience aussi. Et voilà, il résiste encore. Oh, bonne droite de Saint-Pierre! Et voilà, c'est là que Saint-Pierre veut l'avoir. On sait que c'est un expert de jiu-jitsu voilà. De lutte. Et voilà au sol. Oh, Wildman qui s'en est sorti encore. Oui. Et encore une fois au sol. Et là, c'est pour le vent. Et là, le travail commence. Saint-Pierre, et voilà, là, il passe la garde tranquillement. Vous allez voir, là, ce qu'il veut, c'est se retrouver en position montée de côté. Il va prendre son temps, mais je peux vous garantir, c'est sûr qu'il va se retrouver là. C'est vraiment un jeu d'échec. Regardez, tranquillement, il a passé une jambe. Et voilà, là, et presque. Là, il va tenter, là. C'est évident ce qu'il veut. Hein? Denny a réussi à ramener une jambe à l'intérieur, mais... Et voilà, c'est fait. Non, il y a encore Thomas une jambe. Denis encore. On parle d'expérience et on voit que Thomas Denny, il sait ce que le jeune Saint-Pierre essaie de faire, là. Pas sa vraie pose, c'est un tatouage. Hein? Oui, un commanditaire. Alors, il n'a pas pu aller en position de côté. Avec le coude et...
là, il va tenter encore une fois. Et voilà, c'est fait. C'est fait maintenant. Regardez la foule. On commence à connaître le sport au sol aussi. Ça, hein? La foule qui vient de réaliser que Saint-Pierre est en position de monter de côté. Là. Attachez votre tuque. Les coudes et les genoux s'en viennent. D'habitude. Premièrement, il est capable de tenir avec un seul bras. Il peut tenir un rival d'habitude assez solidement. Voilà. L'avant-bras à la gorge. Denis. Il se place tranquillement. Le coude et l'avant-bras qui s'en vient lentement, mais sûrement. Et le genou. La foule qui réagit à tout ce que Georges Saint-Pierre fait dans un coup. Coup de poing de la gauche. Revient. Utilise tout son poids sur son rival. Tentative de pont par Danny. C'est raté. Oh, on ne peut pas porter. Impossible de porter Georges Saint-Pierre. Oh, un bon coup de genou. Solide. Oh. Deuxième. Et là, Georges Saint-Pierre, là, il était là pour s'occuper des Canadian Ass. Lui, il est en train de kicker des American Ass. Un bon coup de coude. Un autre. Oh, voilà. Avec l'avant-bras, on amène la tête au sol. Et là, dans le moment, coup de poing maintenant, coup d'avant-bras. Et ça, c'est tout à répétition là, du côté de Saint-Pierre. Là. Et là, Thomas Denis commence à couper le talon un peu. Oh, un bon coup de genou là, de Saint-Pierre. il va s'apercevoir que dans le bout de Saint-Isidore, il y a des ouragans et pas seulement l'été. C'est pas facile de se combattre avec ce jeune homme. Georges Saint-Pierre, c'est un talent naturel incroyable, mais qui est rodé à la perfection, qui s'entraîne, écoute, à tous les jours. Georges Saint-Pierre, on peut faire des comparaisons avec d'autres sports professionnels, c'est vraiment un phénomène. Ouais. C'est un joueur de concession, entre guillemets. Là, c'est un blue check, comme on dit au football. 40 secondes avant la fin du premier engagement. Pauvre Denis, il a bien tenté de sortir de là, mais c'est impossible. Je vais faire référence à ce que tu dis souvent, Jean-Paul. Là, les gens disent, oh, un bon coup du genou de Saint-Pierre, là, directement sur le côté de la tête. Mais là, vous allez vous dire, ça fait longtemps qu'ils sont au sol, mais Saint-Pierre travaille. Absolument, ça n'a pas été deux minutes. D'ailleurs, l'arbitre a très bien travaillé, il laisse faire. Exactement. 15 secondes. Lorsqu'on travaille, un combat au sol peut être aussi excitant qu'un combat debout, comme qu'on peut voir dans ce combat-là. La foule est sur le bout des pieds. Il faut s'arrêter là-dessus. On fait la pause. Allez vous reposer, messieurs. Oh. En reprise, mesdames, messieurs, et ça va être la même chose. C'est toujours à l'avantage de Georges Saint-Pierre. Regardez bien lorsqu'il va se lancer les gens. Et ouais. Denis est encore droit. Saint-Pierre est rendu. Et là, ensuite de ça, regardez comme un lutteur. Boum, single leg, et voilà avec l'épaule. On est au sol, on bouge pas bien. Et avec tout son poids, voilà. Là, c'est le festival des coups de genoux et des coups de coude dans la suite. Regardez. Boum. Ah. Et ça, c'est des deux côtés. Hein. D'un côté, vous avez l'avant-bras. De l'autre côté, c'est la tête qui frappe le tapis. Alors, ça, c'est un 18 au moins. Je peux vous dire une chose. Ce combat-là a eu lieu en janvier et Saint-Pierre avait une vilaine grippe. Ah oui. En plus de ça, il est retourné chez eux aux États-Unis avec la grippe. Le virus. Debout maintenant. Oh, bon coup de pied de Saint-Pierre. Et tout de suite, on retourne au sol. L'œil gauche de Danny est déjà enflé, même bleu. Mais je pense que lorsqu'il est monté sur, il a monté sur le ring, il avait déjà une décoloration à l'œil gauche. Mais là, il y a plus qu'une décoration, il y a une enflure. Ouais, là, il y a une décoration de Noël, là. Il y a une enflure qui accompagne la coloration. Et encore une fois, ça le prend exactement côté. Où ça... Et voilà, position montée complète. Il y a une petite droite en voilà, crochet. Voilà, position montée complète. Denis est dans le trouble. Là. Ah ouais. Il va falloir qu'il donne son dos. Voilà, si Saint-Pierre descend des coudes. Saint-Pierre qui tente de l'amener. Il l'amène vers le centre du ring. Il le ramène vers le centre du ring, et là... Oui.
sur la tête, pousse avec sa main. Une des choses qui m'impressionne le plus, Jean-Paul, c'est l'évolution des combattants au Québec. Lorsqu'on a commencé il y a 4 ans, personne ne savait ce qui se passait. Mais là, maintenant, les gens, lorsque quelqu'un est en position montée de côté, position montée complète, les gens savent ce qui se passe. Exact. Et encore Saint-Pierre qui le ramène au sol. Tu vois que Denis n'est pas capable de se mesurer à lui force, tu sais, force pour force. Oh, oh, regarde le nez, là. Méchante blessure au nez, ça. Et l'arbitre a décidé de laisser continuer le combat. Là, Saint-Pierre va encore une fois tenter de retourner en position montée de côté. Oh, commence et à voilà. Commence à montrer des signes d'usure, M. Thomas Denny, the wild man. Position montée de côté encore, j'en parle. Oh, oh, coup de genou. On revient debout. Saint-Pierre refuse. Il ne restera pas debout longtemps, Jean-Paul. Non. En tout cas, il est mieux de ne pas retourner au sol tout de suite. Saint-Pierre pousse avec son épaule le long des câbles. C'est pas compliqué. Lorsque Saint-Pierre va décider que ça retourne au sol, ça retourne au sol. Je pense que lui-même se repose dans le moment, là aussi. Ouf, regardez le sang. Il vient du nez. Et voilà, on prend la jambe, et on s'en va là. Il a décidé qu'elle est au sol, beau sol. Il veut aller debout, on va aller debout, mais quand je vais décider qu'on va debout. Et là, Denis est obligé d'aller chercher, d'aller puiser dans tous les trucs de son bagage. Pas de force dans ses coups, puis tout ça. Sur le bout de ses orteils. Alors ça, c'est les seconds de Saint-Pierre qui lui disent. Et voilà, il réussit à passer encore une fois la garde. Il va se retrouver en position montée de côté. Ben, ça, et voilà, c'est ce qu'il veut. Reste encore les coudes et les genoux qui s'en viennent. C'est que Denis ne sait plus où mettre la main pour se protéger. Est-ce qu'il va se protéger d'un coup de genou ou encore toujours avec sa main gauche? Là, ça, là, ou d'un coup de coude? Mais genou! Genou sur l'estomac, position montée complète. Boum, boum. Imaginez 3 combats seulement. 4e, ça. Il y a un gars qui lui a réellement fait une très chaude lutte. D'ailleurs, il a refusé de prendre la victoire, même si on lui avait donné. C'est Ivan Mendivar. Exactement. Ah. C'est le seul qui a réellement fait belle figure contre Saint-Pierre. Saint-Pierre, là, qui... secondes avant la fin du deuxième engagement. Et encore une fois, c'est toujours Saint-Pierre sur le dessus. Notre ami Denis... Il y a eu un bon coup de coude, Jean-Paul. Ouais. Quand Denis va quitter Montréal, je peux te dire une chose, que il va quitter avec des enflures et des coupures. Position de montée de côté encore. Là, le visage est ouvert un coup de coude. Oh là! Oh, bon coup de genou! Saint-Pierre, il y a une grosse coupure. C'est terminé, oui, Jean-Paul. C'est sur l'œil, ça. Oh, il y a toute une coupure, là, Jean-Paul. Ah, et voilà. Et voilà. Et la bête va même pas voir le médecin, là. Non, 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 il n'y a pas eu besoin. On a vu, d'ailleurs, on a presque senti le coup. Oh, et c'était ouvert complètement et automatiquement, l'arbitre, tout de suite, a décidé d'arrêter. Large coupure, Jean-Paul. À reprise, mesdames et messieurs, voilà. Le coup de pied au début. Boum! Directement à la mâchoire. Ça bouge un gars, son monsieur. Ah, au sol. Position montée complète. Il a fait quasiment ce qu'il voulait. Regardez bien, là. Ça, c'est le coup de coude. Ouais. Et regardez bien le coup de genou. Tiens, on le voit venir, là. Regardez bien. Boum! Oh, directement sur l'œil. L'œil gauche. Ça a ouvert automatiquement. Voilà. Bon athlète, hein? Tout jeune à part ça, imaginez. 21 ans. Alors, il a toute une carrière devant lui. Georges Saint-Pierre, n'oubliez pas le nom. Et, il ne quittera pas grand axe ici. Si on va voir son œil, là. Regardez bien la coupeur. Regarde. Je vais prendre
plusieurs points de suture, ce monsieur. Il y a le nez, pour ça, il ne faut pas oublier. Mais si le docteur Meunier n'est pas là, dites bonne chose, c'est parce que c'est pas plus grave que ça. Moins grave qu'un coup de bâton en plein village au hockey. Oui. Hein? Pas mal. Georges Saint-Pierre, une sorte de phénomène qui nous vient de Saint-Isidore. C'est juste avant Saint-Rémy ou tout à côté de Saint-Constant. Lui, il demeure toujours là. Pas de problème, lui, là, avec sa famille. Oui. Bon. Alors, les deux, naturellement, qui se félicitent mutuellement. Et on va aller tout de suite à l'annonceur maison. Le respect mutuel dans le sport des combats ultimes. Après que tu es arrangé comme ça, tu as beaucoup de respect pour celui qui t'a arrangé comme ça. Ladies and gentlemen, le gagnant par KO technique. Après 4 minutes et 45 secondes dans le deuxième round de ce combat, le winner by TKO after 4 minutes and 45 seconds in the second round of this bout, Rush Joel Xavier! Eh bien là, maintenant, c'est le temps de faire la petite danse. J'ai peut-être été à prendre ça. Juste à côté sur la réserve, lui, là. Et vous voyez comment est-ce qu'il peut être agile, tu sais. Tiens. Alors, si on allait faire un petit tour du côté de l'Américain, M. Denis, pour savoir comment est-ce que lui se sent après le combat.